la liste, il y a solo l'empereur, Sa Majesté, Jeannot Kabuya. Merci beaucoup, Sa Majesté, de nous répondre. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, Nabana ya Congo. Wapino Molobeli Yamboka, le prophète King Élysée. Wazali Bush autorisé, ya président Moïse Katumbi Tshabwe. Oyazali Kokamba plateforme de Bengi ensemble. Oyazali Lissousou, chef de file. Nazolo Bangou Malamou, chef de file. Il y a opposition. Père de la Renaissance, il y a RDC. Naye poto solo makambwa mboka. Mbote na bino nyoso. Mbote na ngana bandeko nyoso ya ensemble. Na bakatumbiste. Nazala souci mawa basi. Bakatumbiste matin, midi, soir. Baza koloba mabe pour la président na biso Moïse Katumbi Tshabwe. Bakatumbiste bozana mboka oyo bandeko na ngaya ensemble. Bozana Angola, bozana Zambie, bozana Maroc, bozana na Kinshasa. Bakatumbiste bozali na Paris, na France, bozana Europe mobimba, bozana Canada, bozana États-Unis. IDPS bazali matin, midi, soir Jeannot Kabuya. Oyazali agent ya ADN a infiltré IDPS. Bango nyonso bazali koloba mabe pour la président na biso bino bokangi maboko. Na baye bazali nommé, na o bazali nommé te okangi maboko. Bolingi Turcade alobela bino, bolingi porte-parole adjoint Francis Kalombo aloba, mais bino bandeko na bo na Paris, bozana na Bruxelles, bozana na Suisse, bozana na Allemagne. Bolingi ba pesa bino ni ba fonction ba katumbiste. Je m'adresse au katumbiste. Ezali pasipe mawa. Lelo nazo ko balika mbuya mboka. Nazali sentinelle ya RDC. Le prophète King Élysée aweze pa nanga. Na changer ndako. Po demse vidéo, je se mounene na Johannesburg. Ndalfar ayako la kisanda kunanga. Ta on avait un problème na batuana. Na bengi bango batuana. Balo ba sambe daka, bafunda kingai 4 mois. Nzambe ya lola alongi singai. Ndalfar, oyazali agent ya ane, alata triko ya Kabila avant combat za na mboka oyo. Auti ko filme otobengi na ambassade et pas ambassadeur mboko. Ndalfar, soi-disant journaliste, a infiltré IDPS, a infiltré ma combattant, a kosa kabatu gazali porte-parole ya ma combattant, a kosa kabatu Azali membre ya IDPS a infiltré Tibiso ensemble. Le rôle de l'ambassade de grâce, pour les gens qui ont été mis en place, pour les gens qui ont été mis en place, Yamotuya na lingina loba yangoyo. Kabila continue. Yako support wene za l'anglais. Kabila zali ko continue ko récompenser IDPS. Pona nini tangu afdela zo kota monsieur Etienne Tshisekedi alobaki boti kabango baya bazaba na yamboka. Nazana ba document awa eza pasi eza pe mawa. Mboka na biso esengeli to sikola yango. Mboka na biso esengeli to bunde la yango. Totika mboka na lolenge wana te. Bande konangai to bunda pona mboka. Bande konangai bomoni po eleki na beni. Babengi yango na lopoto bushri imen. Balobia wana bashani nyoso ya bamindele. Beni Kabila za koboma seko boma pona beleksyon ezalate. Seul opposant Télémi à l'obéli yango, c'est le président Moïse Katumbi Tshabwe. Il y a peut-être un ami, Somi Yawe yango, le président Moïse Katumbi Tshabwe, l'architecte du social na Congo. À l'obéli du Kamboya Beni, parce que Sabino 14 morts civils, par soldats 5, l'Okuta, il y a eu plus de 50 morts na Beni. 50 morts, Wano Zoyo Kabalobi, Ezaba civil. 30 ezali ba policiers. Tozala mboka Congo Kinshasa.
ba milice nyonso bozomona na na RDC ba muto apesa ka bango mbongo ba bomaka batu eza Hippolyte Kanambe debu congolais sauvant le Congo totelema tosiko la mboka bozo wela kokende election na machine a voter bozo wela kokende election na ba fichier oyo si ba lambi yango bana Congo naza sindili sentinelle ya Congo batomi balé batelemi pona ko selon eux makanisi ba crédibiliser élection Vital Kamerhe Félix Tshilombo ba pesi bango mbongo po ete bandima élection ba kende na élection bazo ba poste ezamawa wane zali lokolo ya papa na biso monsieur Étienne Tshisekedi ezo sala passe be mawa komona na mboka lokola RDC ba papa na biso ya Kasai basali na Mobutu batongi école te na Kasai na Mbujimayi na Kananga na Chikapa batongi ata maternité te ata dispensaire te ata école primaire te na koloba boye toza na Jonas Mukamba kadia Tanzemba ye tozali awa gouverneur du sud Kasai na 62 Mukamba kad Albert komo na ye Jonas Mukamba kadia Tanzemba boye bien biso nyoso bana ya Kasai ba congolais ba ye bien ami de Mobutu gouverneur du sud Kasai na 1962 gouverneur de l'équateur deux fois na tangu ya Zaïre Mobutu a tie ambassadeur na Italie ambassadeur na Uganda ambassadeur na Soudan ambassadeur na UK Grande-Bretagne na 1986 ti na chute ya Mobutu 11 ans gouverneur PDG ya Miba 11 ans PDG ya Miba Mukamba kadi eta Nzemba asali ata école te asali ata dispensaire te asali ata université te na le deux Kasai université ezate hôpital ezate Bolobio Mobutu c'est pas Mobutu Mukamba n'avait pas asali la poste ata mukete ya kotonga école ya kosala nzela eza Mobutu te toyé na monsieur Etienne Tshisekedi na 1960 commissaire général adjoint na justice na 61 ministre de la justice de sa province na 65 ministre de l'intérieur et des affaires coutumières Etienne Tshisekedi bakosa kabiso Etienne asalate asala na 1968 à 72 il a été secrétaire national du MPR il a également présidé il a été également président de la commission de politique générale du bureau politique du MPR. Na 69, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, ambassadeur du Zaïre au Maroc et PDG de la Air Zaïre. Il a été trois fois député à l'Assemblée nationale zaïroise et a assumé les fonctions de vice-président de cette assemblée. Trois fois premier ministre. Na kotanga tanga zalaki premier ministre. Le 29 septembre au 1er novembre 1981. Un mois et trois mois. Toyena, le 15, voilà Pambazo de la Premier ministre, Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Le 15 août 1992, au 18 mars 1993, sept mois et trois mois, Étienne Tshisekedi, Premier ministre. 2 avril 1997, au 9 avril 1997, Afdel Ndenga Badekoya, 7 jours, Premier ministre. Étienne Tshisekedi wa Mulumba, n'a coupé sa bino les quatre phrases historiques d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Phrase à Liboso à Lobin Albert. Kalonji, je vous envoie le collaborateur du crapaud. Il a insulté. D'insulte na Congo et Bandine Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Yao Mona Rabata, IDPS, Batigala na Yango. Je vous envoie le crapaud. Wana phrase historique d'Étienne Tshisekedi. Yami Bale, Botika Bango Baya, Toko Solola, Afdel Azokota. Moutakoti sa Afdel na Congo, Ezali, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Botika Bango Bakota. Soki ba pesi yo mbongo soit, Ezali, Mbongo ya Mboka. Celui qui a autorisé, légalisé, comme son ami Mobutu la corruption. Mais papa nanga Molimo, Coutinho Fernando, Kabila Ayaki na 1 million de dollars.
Joseph, bien sûr, Coutinho Fernando Aboy. Mbongo Utina Satana Bazouakate. Alors, quatrième phrase historique, Etienne Tshisekedi, Bola la pongi à ba bébé. Etienne Tshisekedi, à Tongi Ecolte, il a travaillé depuis 60 avant comme un soi-disant opposant, parce que c'est un faux opposant, Azalo Kola Kamere, un opposant préparé par Mobutu. Etienne Tshisekedi, membre fondateur il y a MPR, Etienne Tshisekedi, membre fondateur il y a IDPS. A Bengana Batunio sur la IDPS, le lègue roi Didier Masela, Alain Makaba, à Bengana Bangona Chibena Ouera. Il est donc IDPS, c'est là qui parti national et comme un parti tribaliste. Le fils Moulouba, secrétaire général Kabundi, il est de Kananga, mon frère, je suis Moulouba. Directeur du cabinet, il est Kassaye. Porte-parole, Kassaye. Président de la jeunesse, Kassaye. Mais tant que l'IDPS est bandakana bambouakem, ils ont dit parti politique national. Tu sais que tu as récupéré parti politique et comme il y a hier. Et là, il y a au Kamwa, PDG à Exaïr, en 70, ils ont dit que tu sais que tu as mouru. Dans ce bête historique, il y a Congo. Quand on va faire ça, il y a Kofinga. Ngaloufar a Zofinga, Neve a Mbouakem a Zofinga, mais il y a un la vérité. Ndaku Oyo, Etienne Tshisekedi a Vandaka, Bambou le Bele, na Petignas, na Limete, et Ndaku ya El Zahir, ta Mazalaki PDG. A longue PDG, ba le Longwa a Lingite, mais y'a Banaro Bundapon état de droit, y'a Moura Salé état de droit. A Zopunde la Pona, Oto Bengi, na Lopoto, démocratie, il y a moins à démocratie. Ndako Omoni a limité, famille y a Etienne Tshisekedi Batikali, et Zandaku y a El Zahir. Le lobby soba louba, tous la difficulté à Rosaman, qu'on foute la Namboka qui n'a vu la Kinshasa. Ce qu'on foute la Batunia, Batuna, la colonne d'air, Osamu Luba, et Binote, Boboto, la Batbanda, Ponanini, Natunaki, Bayer, Nangana, Lemba, Palobi, Mwana. Toboya bino bo foute la nga bana osala na El Zahir. Moko papa na bino Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mobutu a pesi ndako comme PDG ya El Zahir. Tango balongoli aboyi kolongwa ndako bomona kawana na limete eza ndako ya El Zahir. Donc akufi na ndako abotola. Alors eza pasi eza pe mawa. Botika kofinga mutasala bulamu. Nako senga na majesté ya media. Empereur, il y a média dans Boko, il y a le Bakanaete. Il y a Pembe, il y a Kitoko. À ne pas confondre avec Jeannot Kabuya, il y a Zali, Moto, il y a Anne. Bota la Ndenge, Kaboulou, moi, na Kaboulou, na 2001, à la Kissi, Bozu, il y a président Nanga. J'ai eu la chance de suivre, par souci d'information, de suivre M. Moïse Katumbi Tshapo au moment où il s'est trouvé en exil forcé. En Zambie à Kitwe, j'ai dit non, je dois arriver là-bas pour voir qu'est-ce qu'il fait, comment il vit, tout ça, par souci d'information. La curiosité journalistique m'avait amené à Kitwe. Je suis arrivé à Kitwe en quelle année ? En 2001. Ça doit faire plus ou moins 12 ans, maintenant 13 ans. Je suis arrivé, j'ai rencontré le président Moïse Katumbi Tshapo, que j'avais connu avant, au moment où il dirigeait Maison Katebe Katoto. Parce que son grand frère lui avait cette équipe-là, Raphaël Katebe Katoto. Je suis arrivé là-bas. J'ai passé, je crois, 4 à 5 jours à Kitwe en compagnie de M. Moïse Katumbi Tshapo et j'ai saisi cette opportunité pour discuter avec lui. J'ai trouvé à Kitwe un homme organisé, un homme très bien assis. En tout cas, il était à l'abri de tout. Vous savez, quand on dit en exil, je me disais, est-ce que je vais le trouver dans un foyer pour réfugiés? Est-ce que je vais le trouver dans un centre où on met les exilés politiques? Non, je l'ai trouvé très bien. Dans une villa très moderne avec ses enfants et nous avions commencé le lendemain à discuter. Il m'a fait d'abord visiter toutes ses affaires, les affaires qui étaient florissantes déjà à l'époque, il y a 12 ans, 13 ans. J'ai visité la minoterie industrielle avec des moulins professionnels qui produisaient autant de sacs de farine par jour, de qualité. Ensuite, j'ai visité la poissonnerie industrielle qui produisait à peu près 1000 tonnes de poissons
régulièrement. Et puis, ces poissons nourrissaient pratiquement toute l'Afrique australe. Et une bonne partie était envoyée en République démocratique du Congo. J'ai eu la chance également de visiter les mines, ces mines, et que l'usine d'extraction qu'on appelait l'émeraude. L'émeraude, c'est le diamant vert, pour votre information. J'étais là, j'ai assisté à l'extraction, comment on faisait, et les recettes journalières, comment ça se produisait. Et je me souviens, en ce qui concerne les mines avaient réalisé des recettes incommensurables. Et il y avait déjà la première vente à l'époque, qui avait réalisé plus ou moins 160 millions de dollars. La deuxième vente, c'était 180. Mais il y avait la première vente, la grande vente, qui avait battu le record avec 380 millions à l'époque. Et il avait son jet privé, déjà à l'époque. Hein, donc il n'a pas eu l'avion maintenant quand il est dans Mazembeno, bien avant. D'abord, il a dit, priorité, il faut absolument que je réhabilite le stade Mwanke. Il a dit, je le réhabilite, sinon je vais le reconstruire. Et après, il a dit que dans mes objectifs, Mazembe doit devenir l'un des grands clubs en Afrique, sinon les plus grands. Ça fait 15 ans maintenant que j'ai commencé mes activités. Pour le moment, je compte à peu près 1300 ouvriers Kaboulo, mais ce que je paye chez mes ouvriers, ce que je paye chez Mazembe, ce qui me coûte trop cher chez Mazembe pour le moment. Vous savez, c'est très difficile de diriger Mazembe si on n'a pas le moyen. Donc on essaye de se débrouiller, vous aviez vu vous-même. Oui, nous exportons aussi chez nous au pays, nous faisons aussi les filets que nous exportons en Europe. Donc ça nourrit pas que le continent africain, ça nourrit aussi le continent européen. Nous avons deux mines d'émeraude Kaboulo, et la mine jusque-là, ça va. Le phénomène Katumbi, comme actuellement démontré, ne date donc pas de 2007, encore moins de son bureau de gouverneur. L'histoire est infalsifiable. Le président Moïse Katumbi n'a pas pillé chez Camille, n'a pas pillé les Katanga, n'a acté. Il était déjà multimillionnaire, 300 millions de dollars en 2001. Moukamba, à Salélo, mon côté, na Kasai. Etienne Tshisekedi nakabeyaka mwanga atongate, mais au bout atonga ndako na Guado na Kawele. Mais botala bino moko ya bona clôturer na sala kala minga kolobate. Omona Moïse Katumbi chape 8 ans et 8 mois atongeli ba père jésuite école secondaire tolongwe wana a atongi université mokote na Kolwezi na Likasi. A réhabilité hôpital Sengwe à Salimisala Minene. Tolanda, biloko ya président Moïse Katumbi. Petit détour en province pour parler éducation. Une nouvelle école technique et professionnelle a été inaugurée ce samedi à Lubumbashi. Les collèges Mwapu Soukeni, construits sur fonds propres du gouverneur Moïse Katumbi Tshapoué et de son épouse, est un véritable bijou. Il a été remis au père jésuite pour l'encadrement de la jeunesse démunie et des populations marginalisées. C'est en avril 2011 qu'a commencé une initiative du couple Karine et Moïse Katumbi qui va changer la vie des plusieurs générations. Le chantier d'une école technique située dans la périphérie de Lubumbashi pour les populations marginalisées et surtout les enfants issus des familles pauvres. Deux années plus tard, le collège technique Mwapu Soukeni pousse du sol. Une école que le couple Katumbi fait don au père jésuite sans en tirer un quelconque profit en dépit du gros investissement. Une somptueuse école disposant d'une capacité d'accueil de 700 élèves étendue sur 1000 mètres carrés. L'école formera électriciens, informaticiens, plombiers, ajusteurs, constructeurs métalliques, électroniciens industriels et mécaniciens. Hormis les 24 salles de classe modernes, un terrain de basket et volleyball, une cantine pour les élèves, un cafétéria, trois salles informatiques bien équipées, un parking pour les enseignants et visiteurs, une piscine couverte de 60 mètres carrés et une salle polyvalente construite à l'américaine apte à accueillir toutes sortes de manifestations, salle des professeurs et des bureaux administratifs. Ce qui ramène à 28 le nombre de la population. Infrastructure réalisée par la main-d'œuvre congolaise. Pour la cérémonie d'inauguration, le couple Katumbi a naturellement effectué les déplacements. Dans la salle polyvalente, le vicaire général bénit l'ouvrage et le père recteur du collège Mwapu Soukeni donne l'ego d'allocution remplie de sentiments de gratitude. Je viens à exprimer nos sentiments de gratitude au généreux couple initiateur et donateur de ce beau cadeau.
Par après, Mme Karine Katumbi recevra les clés demain de l'entrepreneur Safrikas et avance les motivations de cet investissement de haute portée philanthropique. Nous avons besoin de plusieurs écoles techniques pour former des techniciens qui pourront répondre aux besoins du marché du travail et particulièrement aux besoins des entreprises. Telles sont les raisons qui nous ont poussé, mon mari et moi, à construire cette école pour en faire don aux jésuites dont la qualité de l'enseignement et la rigueur ne sont plus à démontrer. Le père provincial des jésuites reçoit la clé du collège et dit son mot de reconnaissance. Ce don à titre gracieux montre l'estime que la famille Katumbi porte à la compagnie de Jésus. Une école des petits, de ceux qui ont été marginalisés. Que Dieu bénisse la famille Katumbi, que Dieu bénisse le collège technique Mwabusukeni. Le comité de parents parlera avec beaucoup d'émotion et les élèves à leur tour émettront un cadeau symbolique au couple Katumbi. Remise des documents de l'école, dévoilement de la plaque commémorative, coupure du ruban symbolique et c'est la visite détaillée des lieux. Les consuls de la Belgique est flatté. Je pense que ce genre d'établissement, même en Belgique, il n'y en a pas énormément. C'est ce qu'on appelle apporter sa contribution dans la révolution de la modernité, initiée par le chef de l'État Joseph Kabila, ce qui permet l'accessibilité à l'éducation pour tous, surtout les plus démunis, vu que les frais d'inscription sont de 4500 francs congolais, le plus bas de la ville. Pendant que plusieurs voix s'élèvent pour transformer les écoles d'enseignement général en enseignement technique et professionnel, le couple Katumbi vient de démontrer une nouvelle fois sa volonté à aider les pauvres. Tous les indicateurs météo annonçaient un temps qui n'était pas propice à un voyage en avion. Malgré tout, l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe a tenu à braver les éléments et les orages pour rendre visite à ses administrés de la ville de Kolwezi ce jeudi 5 mars 2015. Et parce qu'il ne se déplace jamais en touriste, cette fois encore, il avait dans sa gypsière plus d'une surprise pour eux, en ce début d'année où il les rencontrait pour la première fois. Les couleurs sont immédiatement annoncées dès l'aéroport où la population n'a cessé de multiplier des gestes d'attachement sans que les autorités coutumières de la ville minière ne soient en reste. Sans transition, il se dirige vers le nouveau site qui abritera désormais l'université de Kolwezi au village Moussonpo dont il vient d'achever la première phase de construction, léguant ainsi à la jeunesse de cette partie du pays un précieux outil de formation. Une grande université digne d'une grande ville, alors que jusqu'à maintenant, les nombreux étudiants de cette alma mater évoluaient dans des conditions pour le moins déplorable. Le gouvernement provincial du Katanga, en partenariat avec l'entreprise minière KCC, vient de donner corps à cet important projet universitaire, tout reluisant, et qui n'en est qu'à sa première phase. Tout cet exploit réalisé par des entrepreneurs locaux, encouragé et soutenu par l'honorable gouverneur. C'était donc un grand jour pour l'université de Kolwezi et pour Moussonpo tout entier, dont le chef de terre a personnellement tenu à bénir, selon un rite ancestral, le Mpemba, le gouverneur. Les étudiants et le corps professoral ne pouvaient cacher leur satisfaction, leur fierté. Nous sommes merveilleux. Et aussi le bâtiment, nous évoluons dans des conditions pénibles, monsieur. Mais aujourd'hui, avec ce nouveau bijou que nous avons acquis de la part de son Excellence, monsieur le gouverneur des provinces, en tout cas, c'est un honneur pour nous. Et nous remercions en tout cas monsieur le gouverneur des provinces. Là, chez nous, on n'étudie pas bien. D'ailleurs, les chaises, nous les amenons nous-mêmes. En plus, à l'université, il y a de l'eau. Partout là, il y a de l'eau. On ne sait pas comment passer. Même avec le véhicule, on s'arrête au niveau de la barrière. Je remercie vraiment le gouverneur Moïse Katumbi Tchapwe pour l'œuvre qu'il venait de faire. Que Dieu le bénisse vraiment. Nous allons le soutenir lorsqu'il va postuler.
depuis 1997 qu'elle est une extension de l'université de Lubumbashi et 2010 qu'elle est devenue autonome. C'est la première fois que l'UNICOL obtienne des bâtiments au standard d'une université du monde civilisé. Tour à tour interviendront au cours de cette cérémonie fort animée le responsable de l'entreprise KCC, le professeur Ipanga, recteur de l'UNICOL. Face à une telle dotation, comment ne pas exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont contribué à ce que l'Université de Kolwezi puisse acquérir, elle aussi, des infrastructures modernes à l'instar d'autres universités du pays. Nous pensons en premier lieu au président de la République et chef de l'État, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, sous l'impulsion de qui cet ouvrage a pu être réalisé dans le cadre de sa vision de la révolution de la modernité. Nous pensons ensuite à Son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, l'honorable ministre, par la volonté de qui ces constructions ont démarré. Le maire de Kolwezi et enfin, sous une pluie d'ovations, le géniteur de ce grand projet, le gouverneur Moïse Katumbi Tchapwe. Parce qu'il ne fait jamais rien à moitié, le gouverneur du tic au tac répond concrètement à toutes les doléances que la communauté estudiantine lui pose sur place. Il ordonne le début des travaux d'asphaltage de la route conduisant à l'université. Il annonce le lancement de la deuxième phase de construction de l'université pour l'astronomique somme de 10 millions de dollars américains. Il décide l'octroi dès la semaine qui suit de 5 grands bus de transport à l'usage des étudiants et du corps professoral. Cerise sur le gâteau, il s'acquitte, après information, de toutes les tranches de Minerval que les étudiants devraient payer. Vous venez de régler votre facture là. Nous avons accueilli en tout cas, et aussi le discours du gouverneur payant au moins le frais, puisque ça pose un problème avec les étudiants. Récemment, nous étions pendant la période de la mi-session, nous avions eu les étudiants chassés. En tout cas, cela n'a pas enchanté nous, délégués des étudiants aussi, puisque je suis bien partie de l'équipe promotionnelle. Ça ne nous a pas enchanté en tout cas, et raison pour laquelle le discours de Son Excellence, Monsieur le gouverneur, en tout cas, nous a rempli de joie. Nous sommes émerveillés. Un soulagement inattendu. Un cadeau inespéré. Les étudiants sont ivres de bonheur. Le gouverneur va boucler son intervention d'une manière surprenante. Il fait lire aux délégués des étudiants l'évangile du jour, tiré du livre de Luc. Abraham répondit, « S'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Ce après quoi il procède à la coupure du ruban symbolique et à une visite attentive des installations universitaires, échangeant soit avec le recteur ou avec des étudiants assis sur un banc comme des camarades de promotion. Ça, c'est le pur style Katumbi. Proximité et efficacité. L'enseignement supérieur est certes une prérogative du gouvernement central, mais l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe n'a pas trouvé d'inconvénient de doter une des villes qui nourrit le pays d'une université décente. Merci beaucoup, empereur et média. Tolandi Bisonioso, Mukamba Kadia Tanzemba, Asala et Lokote na Congo. Etienne Tshisekedi atika ndakute na Congo, ndaku wana ezaya El Zaïre ya limité bakosa biso asala te asala asala pe na kolobelo ko moko ya mutuya premier ozali premier docteur en droit na Congo ezali Antoine Marcel Yaou na université ya Louvain kuna na Royaume ya Belgique. Etienne Tshisekedi azalaki licencié, à premier licencié en droit, na Lovanium. Il n'a jamais été docteur en droit. Pour ce qui est de Bolandi, Liaou, docteur en droit, constitutionnaliste, ce qui est de Zoloba, vocabulaire académique. Mais ce qui est papa, Etienne Tshisekedi, il n'avait pas de vocabulaire académique.
justement, au sommet de vocabulaire académique, ils allaient quitter. Ce que Moussa Nanzam achevait, continue Fernando Zotea, au sommet de vocabulaire ecclésiastique. Ce que Moussa Nanzam, bishop Kadima Zotea, au sommet de vocabulaire ecclésiastique, attends-moi à Coutinho. Quand je prêche, au sommet de vocabulaire ecclésiastique, ce que papa était dans un guide, vraiment docteur en droit et vous posez dans le Congo, mais la paix à cour, la université à Kisasa, à Pessate, mais à Zalaki recteur dans l'Enda. École nationale des droits et d'administration. Et qu'il y a bon répondre. Mais Liaou, Antoine Liaou Marcel, na 62, docteur en droit, na Louvain, il y a un tassala constitutionnel, il y a un bisou à Diboso. Batinda Kaye na Kassavoubou, Wana Ileur Zalaki, président du Sénat, mon tassali constitution, il y a Diboso na Congo, et Zali Antoine Marcel Liaou, au babéki constitutionnel de Louabou. Tant que Bassali coup d'état na Kabila, na Mobutu plutôt. Constitution mi balé. Batailleur aussi, mais si Mobutu a imposé l'issue sur Marcel Liaou, docteur, premier docteur en droit constitutionnaliste, à sa deuxième au Babengi Constitution. Wana Siko Etienne Tshisekedi wa Mulumba, à sa la qui charte, il y a MPR au Babengi Manifeste et Antélé. Histoire ya Congo. Nasa wana pona yé Sabino, histoire à Congo. Nako fingate. Et ça, la nature n'a pas été. Bon, sur ma vidéo, il y a Kala. Mon tonneau, ça sera dans passé. Le passé est passé. Le président m'a pardonné. Le CP m'a pardonné. Le coordonnateur, Edouard Kassongo, m'a pardonné. Bande Konyon, soyez ensemble, Limisangai. Le passé est passé. Mais au moins, il y a une vérité. Bissoba Luba. N'a qu'une chasse à cause de Ndaku. Balobarana Bissoni. Ose colonie de Mouluba. Tobo, il y a une autre chose. Mais papa en a balancé la Exaïe, a ébissinga, balobarana bino boye, pour Etienne Tshisekedi, n'a pas limité, et ça vrai, tant à Zalaki PDG, Babi Longwa, a boy Colomba. Patoumi, il va éviter que Etienne Tshisekedi, Zalaki membre fondateur, il y a MPR. Patoumi, il va éviter que IDPS fondateur, et Etienne Tshisekedi. Liawa Zali Pengoule, l'un des membres fondateurs, Kibasa, Mbouakem, Baza et Bele, Baza IDPS. Mais il y a Bengana Bango, et comme il y a loko, il y a famille à Tshisekedi. Net de l'autre, Pasteur Akoufi, Bazu Mouana n'est pas remplacé. Pasteur Akoufi, Bazu Mouana n'est pas remplacé. Le l'autre, Papa Akoufi, Mouana commis président à parti politique. Mais non. Toboyi Yango. Joseph Kabila continue à récompenser IDPS. Pour la Nini, Montakotisa, Afdel, c'est Etienne Tshisekedi. 7 jours Premier ministre. Alors, il y a un Kabango Baya, Toko Solola. Le lobe Kabango Baya Rwandais. Le lobe Kabango Baya Pays à sous-occupation. Etienne Tshisekedi, alors, il y a un petit Kabango Baya, Toko Solola. Etienne Tshisekedi, alors, il y a un petit Kabango Baya, Bébé. Etienne Tshisekedi, alors, il y a un petit Kabango Baya, Sibino Mbongo, Lia et Zayamboka. Et tu serais dans le bac qui te que je vous envoie les collaborateurs du Krapo. Vous voyez bien que Jean-Pierre Bemba, le Batumoussous, Congo et Zayabissonios. N'a lancé défi na IDPS. Na Kinshasa, monde entier. N'a la taille de Kolangazate. N'a sa propre de Kolangazate. Ce que vous avez à la télévision. Jeannot, où est Zangando? Jano Oezangando, Balata Ramona Ide Peske. Jano Ngazamona Mouluba, Balouba Ebu Golata Oezangando, Tchatch. Sak Yango, Salvador Ferragamo, Ngando. Bino Nyonso na Ide Peske, Boyebolata, na l'équipe de la Golata. Na journaliste na Bino ya, Alata Trico ya PPLD. Zaraka pe propre, Kondego. Zaraka pe propre, so finana. Tanda finana. La changé d'abou à cause de toi. Olaxandra pour n'avoir battu à l'église ou à la yo d'abord la piscine. T'es quoi la piscine bando botamo la tanga noté il dépêche mon bim banan lancé des défis. Ou à votre carotte à la colanda zate yango nando jano l'empereur ya média l'amboko yo pas mon angando yango versa singando ngando ngando nangando. Yango, il est passé par le roi de la Zate. Nathalie, papa, il y a Jeannot, Jean-Baptiste et Kabouya. À la veste, même Kagama, à la veste, à la
Jean-Luc Kabuya, na Bruxelles, tatalo na monie, na Kinshasa et pas Bruno Bruno Chibala. Feste papa ya Jean-Luc Kabuya, là tu on dit mettez la zaïna poto. Mais t'as la nera bête. T'as la tizi. Jean-Luc Kabuya dans la Bruxelles, tu as voulu la volonté. Jean-Luc Kabuya, autant de la téléphone à iPhone, ok? Attends, il y a le faire. Dem si vidéo. Le bon abonné batiga pour finga, n'a pas au finga, t'es la seule pas vérité. De la mission va nous battre au Sambo na Congo. Au papa et tiens, tu sais que d'abord, à Boto l'anda pour exaï. À ton gâte en d'abouté, dispensérité. Moukambaradé dans Zemba, PDG mi bas 11 ans. Mais Moïse Katumbi, 8 ans et 8 mois. À ton gibe école, à université, à Biloko et Pélé à Sali. N'a souki de l'or. Merci l'empereur à média. Mbote nanga na président Moïse Katumbi Tchapwe. Mbote nanga na conseiller spécial et politique Salomon Idi Kalonda. Na Dirkab Olivier Kamitatu. Na Tourage Mobimba. Na Batoun Bande Golosso et ensemble. Bote lema. Ide pesa tche libaya. Bino meko tche libaya. Na pesi sou mbote nanga na ba journaliste ya Mboka Oyo. Na Cape Town. Pa peti nanga yi journaliste ya solo aboya po finga. A longo ne pa nga lufa. A longo ne pa nga lufa po na po finga. Kena même na Cape Town. Bo ebi e bien. Humble serviteur, pasi de Londres. Journaliste ya solo aboya ne po finga. A longo pa nga lufa. El nao, la patronne na media na mboko. A longo ne pa nga lufa. Niklet, miroir ya media. A longo ne pa nga lufa. Ba on baba journaliste ya propre. Loko azana sima kamera mobali kitoko propre loko langa moko mwana muluba papiti swaka na Bruxelles mwana muluba propre juste bebeka mwana muluba propre kile mayindu le mannequin de Paris mwana mukongo na kosa yote yango yote propre opposant politique moko te ya IDPS rata loko langa. Yes, but na ekulu swalobi yes na Barnabas bolingi nani. But walobi yes, babo yes balingi Barnabas. Lelo yes alinga kota na kongwa siko na bino boboyi, boboni Barnabas. Kobana na Barnabas na bino nyoso. Data kwa ngazate. Tolo ba pete, ta kwa ngazate. Nda sali ba formation ya promotion sociale, bo wala exactitude académique ite. Pake che na somme a Congo. Ce qui m'a fait, et ça le voit à Kabila, tangate. Parce que tangate battu la somme au Congo. N'allait pas le cabinet, tu as été pèse, tous en États-Unis, aux en France, aux en Belgique, n'allait pas le cabinet. Ngando yamo. Yango, où est-il pris là? Jano Bengamo. Nakei. Nakei, Ngando yamo. Nakei, mais la gine en d'accord. Ngaloufa, on a un balcon. Hehehehe